Ici, dans l'enceinte des établissements primaires d'AKB 1A et AKB 1B de Libreville, l'heure est à la fête. La cérémonie qui nous réunit dans cette cour vise trois objectifs, à savoir célébrer une harmonie exemplaire dans la cohabitation et la collaboration entre nos deux écoles voisines, matérialiser cette harmonie en encourageant l'excellence prônée par les plus hautes autorités de la République avec la remise des prix en commun à nos meilleurs élèves, la clôture officielle de l'année scolaire 2023-2024. Après des mois de cours, 32 enfants de la première à la cinquième année ont reçu devant leurs enseignants et cadres de la commune de Libreville leur récompense pour l'excellence de leur travail. Je tiens à remercier les sacrifices que nos parents ont réalisés et les nuits blanches de nos enseignants pour nous donner un savoir dans chaque discipline. Avec des moyennes allant de 7 à 9 sur 10, pour les responsables de ces deux établissements, cet événement est à pérenniser. Je tiens tout d'abord à féliciter les deux directeurs d'école et à saluer cette louable initiative de récompenser les meilleurs élèves, car elle constitue une source de motivation pour tous et encourage chacun à donner le meilleur de lui-même. Témoin de ce que l'école gabonaise peut apporter à la société, ces prix viennent en soutien aux ambitions des nouvelles autorités qui visent l'excellence, la persévérance et la progression de ces élèves tout au long de l'année académique qui s'achève.